19 janvier 2019, c'est le départ pour Béziers, pour voir nos superbes voitures. Donc, il est 6h53. Il n'y a plus que 737 km à faire. Donc, il y a Gilles qui est au volant. Voilà, je ne sais pas si on va vraiment le voir. Non, pas vraiment. Il fait un peu nuit. Et puis derrière, on a Edouard. Et ah ben voilà, il y a de la lumière. Voilà Gilles, sérieux et tout. Derrière, on a Edouard. Coucou. Voilà, Edouard et Marc. Voilà. À plus tard. Quand ça arrive le soir, t'as des gens qui se sont retrouvés bloqués la nuit sur l'autoroute. Hein. Nous sommes calés derrière la saleuse maintenant. À cause du verglas, arrêt un peu forcé dans une station-service autoroute. Les gens s'arrêtent, tout le monde s'arrête parce que bon, il y a des accidents en face. Donc c'est pas des conditions de circulation idéales, c'est le moins qu'on puisse dire, ben, on va attendre. D'après Autoroute Info, il faut attendre une heure à peu près pour que la température remonte. L'espoir renaît dans les rangs, on est reparti, plus que 519 km. Il fait pas très chaud, moins 2. Mais la route est praticable, donc les naufragés de la route, sont, de l'autoroute plutôt, sont repartis. Voyage, voilà. Gilles est toujours très digne, sûr de lui. Au volant. Au volant, voilà. On se rentrait avant Noël. À l'arrière. Le mieux, c'est qu'on part directement. Comment ça va? À Barcelone. Hein. Ouais. Bon, lui, il veut aller à Barcelone. Dans le sud. Ouais, bon, ouais. Là, et Marc, ouais. Ça va? Ouais, ouais, aucun problème. Aucun problème. Moi, je suis calé avec les. C'est Edouard la... qui m'a redonné tout ça. Mais là, vas-y. On roule à 100 km. Magnifique. Ouais. On va voir un bateau avec les voiles. Viaduc de Millau, 14h30. Magnifique. Tu le prends bien dans l'axe. Hein. On approche. Surtout au vent, hein, parce que... vent, avec la charge, l'hydratation, l'été... C'est à ça que servent les mathématiques.
Alors, il reste 122 km. Qu'est-ce magnifique. Que vous en pensez? C'est magnifique. J'aurais cru un bateau sur l'océan. Grand. C'est beau comme l'antique. Il est poète. Hein. On approche 120 km et on y est où? On est au viaduc de Millau. Un alignement. C'est le grand beau, on arrive bientôt à Béziers, on va enfin voir un peu ce qui nous attend, voir nos belles automobiles. 30 degrés. 30 degrés peut-être pas, mais on voit que le conducteur est beaucoup plus souriant, beaucoup moins tendu que ce matin. Deux chevaux Charleston de 1988 qui a pas l'air mal. Voilà le feu de brouillard arrière. Petite éraflure là, mais c'est pas méchant. Oh, allez, bon, un peu poussiéreuse, mais bon, c'est pas grave ça. Extérieurement, elle est propre. Hein. Regardez l'intérieur. 96 761 km au compteur. La capote, elle est nickel. Bon, elle est. La deux chevaux est belle. Hein. A priori, il y a dû y avoir un voile de peinture de fer. Les bas de porte un petit peu rouillé, un petit peu de corrosion sur les bas de porte là. Là aussi là. Je vais la monter. Alors les issues ont été réglées à peu près, on va dire. Et ça, pour régler ça, c'est très compliqué. Mais le moteur, tout le monde, il est là.
Hein ? Pour le numéro moteur, il est là. Elle est belle, hein. Ah d'accord. Et tu m'entends bien? Eh ben voilà, ben moi aussi je t'entends. Donc là on est en train de voir les voitures. Enfin bon, il y a des petits. Bon, on va voir. Hein? Voilà, exactement. Allez, salut. À plus. Ouais. C'est de la skip, le spécialiste. Gilles, le spécialiste, est au volant. Edouard, à la place du mort. Allez hop, c'est parti. Et maintenant, le repos du guerrier. On est des warriors. On a gagné. Allez, Edouard. C'est toi le responsable en plus. Voilà. Hop. Responsable de quoi? Tu l'as dit à Christian, la bosse sur la DS. Les pizzas ont l'air super. Et on boit pas. Voilà. Hein. Et pourtant, on n'a pas acheté d'italienne. C'est du cidre, hein, dans les verres. Et à nouveau, le viaduc de Millau, mais dans le sens sud-nord. Toutes les voiles sont sorties. Toutes les voiles sont sorties avec un panorama qui est exceptionnel. Une vue sur Millau. Couper le souffle. Heureusement que la route n'est pas transparente, sinon je pense pas qu'on l'aurait pris. Hein? Ça va, Edouard? Impeccable. Hein? Ouais. Edouard qui fait les mots croisés à l'arrière. Là, on voit bien. Hier, on voyait pas. La radio ouverte de toi. Ah ouais. Et je me serais mis au-dessus. Ouais, ça aurait été. Tu l'as refait dans l'autre sens. Ouais. Fais demi-tour. Donc, il est 10h40 et nous sommes à 615 mètres d'altitude. D'après la voiture. Et voilà. Et là, c'est l'air du viaduc de Millau. Et quelques américaines entre Issoire et Clermont. Bon, on en ramène une voiture quand même, hein. C'était pas prévu que ce soit celle-là.